monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. J'avais envie de faire une carte avec vous. Alors aujourd'hui on va faire une carte sur une sur un fond de carte 15-15 d'action, sur un fond blanc. Je vais utiliser de la carte noire, la 210 grammes, voilà, donc qui viendra sur le fond de carte blanc. Je vais utiliser de la dentelle comme ceci, toujours pareil d'action. Je vais vous la montrer. Désolé pour le bruit déjà que je fais. Voilà, vous voyez celle-ci. Donc la dentelle. Je vais certainement utiliser aussi peut-être du galon comme ça, adhésif. Donc pareil, ça vient d'action. Je vais peut-être utiliser ce genre de petites choses comme pour déco. Donc vous vous rappelez, j'en ai des roses, des blancs, bon, ben, les petites fleurs, j'ai des feuilles. Donc voilà, donc là la carte va être plutôt en relief cette fois-ci. Donc là, comme la carte fait 15-15, pour l'instant je vais la laisser sur le côté, hein, et je vais d'abord m'occuper de mon papier noir. Voilà, donc il me faut d'abord un crayon. Voilà. Mon crayon. Et une règle, bien sûr. Et on va mesurer. Donc 14 sur 14. Un carré de 14 sur 14. Alors sur une des dernières vidéos que j'avais fait, où je vous montrais pour les cartes, on me disait que j'utilisais pas beaucoup le massicot, oui c'est vrai, pour les petites coupes comme ça. Bon, c'est vrai que j'utilise pas énormément le massicot, ça, je préfère l'utiliser quand c'est des grandes coupes. J'ai aussi vite fait, hop là j'étais de travers. Oui, parce que j'ai pas pris la bonne règle. J'ai aussi vite fait de couper comme ça à la règle, enfin, la bonne règle. Voilà. Sur le massicot, j'ai que celui de Lidl et celui de d'Action. Celui d'Action me plaît pas beaucoup, parce qu'il arrache le papier, et puis bon, celui de Lidl, celui me, ça va, je vais rattraper parce que j'ai pas coupé très droit, celui de Lidl ça va, mais bon, j'y pense pas non plus. Donc voilà, j'ai mon carré de 14 sur 14 hein, qui viendra à la fin donc se poser sur ma sur mon fond de carte. Donc pour l'instant on va poser de la dentelle dessus, donc qui va servir en fond. Donc, je regarde ce dont j'ai besoin. Alors désolé hein, si j'ai une drôle de voix, mais bon ça y est, lundi je suis allée au dentiste, donc elle m'a retiré mes dents, donc j'ai un peu une voix zozotante. Donc là je vais faire un petit trait, donc là je vais mettre du double face pour l'instant. Ici et ici, donc de toute façon le double face sera caché
avec le galon. Et en plus, donc, elle m'a recousu la gencive, donc. Dentelle. Je mets bien un ras de mon double face en haut et en bas. Voilà. Donc ce qui dépasse, on va le coller. Voilà. Voilà, donc la dentelle est posée. Alors maintenant, je vais pouvoir mettre mes galons. On va mettre le galon noir peut-être. Je vais mettre le galon noir. Il est bien noir, hein, pas bleu marine. Hein. Je le vois noir, mais bon. Donc je le mets bien au bord de la carte. Et comme il est bien large, il viendra en même temps à ras de la dentelle. Voilà, donc ça c'est la première partie. Donc ensuite, je fais un petit peu de ménage en même temps, hein. J'en ai partout. Alors, j'ai besoin de mes dies que j'aurais dû préparer avant, bien sûr. Il est super lourd, mon classeur. Ça, c'est bon. Vous rappelez, hein, c'était le classeur où j'ai rangé mes dies. Dans cela. On met trois tailles. Bon, on va le poser là, ça ira mieux. J'espère que j'ai pas coupé trop court. Non, ça va, là. Non, ça va. Ouf. Allez, ma big shot. Donc celui-là va aller pour le plus grand. J'ai plus besoin de la big shot. Je vais la mettre à terre. Voilà. Je
prendrai plus de place. Je remettrai mes dalles en place après. Donc ce qui fera que là on mettra le premier rond, il y aura le deuxième sur le dessus, il y a là toi, comme ceci, voilà, et il y aura le blanc au dessus. Alors je vais regarder ce que j'ai en argenté. Bon ben j'ai pas envie de faire le tamponnage aujourd'hui. Alors on va faire un joyeux anniversaire, voilà. Donc, avec ces stickers. Oui, je sais, en ce moment je fais beaucoup de joyeux anniversaires. J'essaie de me mettre droite. Voilà. Et j'espère que je ne me suis pas plantée sur la longueur de anniversaire pour rentrer. Tout juste. Tout juste, tout juste. Ça, c'est ce qu'on appelle du pile poil. Et voilà. Mieux, je ne pouvais pas. Donc, je vais y mettre une petite fleur. Voilà. Donc, je reviens sur mon... Là, je vais faire ça en 3D. Donc, je prends mon 3D. Là, je vais en mettre plusieurs morceaux parce que en plus il s'est un peu gondolé le papier, donc là il faut que je joue un peu sur le papier pour que ça se dégondole. Je sais pas si ça existe. Petit bout, le petit carré. Allez.
À la fin de la vidéo, je vais vous montrer une carte que j'ai reçue, que j'aime beaucoup, que mon chouchou aime beaucoup aussi. Voilà, ben j'ai déjà les deux. Donc pour notre mariage, donc je suis très très contente. Qu'on pense à nous pour le mariage. Voilà. Bon, je vous l'ai déjà dit, hein, je suis comme les pieds, j'aime bien ce qui brille. Hein. Maintenant, on va mettre celle-là au-dessus. Donc pareil. Alors là, il y a un côté pile, un côté face, donc on ne se trompe pas. J'ai oublié, c'est de mettre un... Je reviens, on se frappe à ma porte. Voilà, me revoilà. Ben désolé, on a eu une coupure. C'était le technicien pour l'entretien de la chaudière de l'appartement. Je me rappelais plus qui venait aujourd'hui. Bon, ben voilà, c'est fait. Tranquille pour 6 mois. Allez, on continue. Donc j'étais en train de mettre le 3D. Du coup, voilà, Fifille. Parce que bah, ça l'a réveillé. Hein. Le 3D sur la deuxième partie de l'écusson. Non, 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 non. Pas là. Il y a les arbres du mariage. Hop là. Ah. Voilà. Alors, on va faire bon. Bien viser le milieu. Voilà. Comme ceci. Et il nous reste à mettre le troisième. Donc pareil, on le met en 3D. Bon, du coup, ça rafraîchit dans l'appartement parce qu'il avait éteint le chauffage. Ouh, le temps de faire le nettoyage de la chaudière. Il caille. On va mettre un petit bout de chaque côté. Ah, du coup, tout le monde est ici. Les poilus, Fifi. Oh. Voilà. Allez. Hop. Et voilà. Donc pareil, on vise le milieu. Voilà ce que ça donne. Et donc ça, c'est fait. On est tranquille. Donc maintenant, on peut passer un petit peu à la décoration. Alors, je prends mes petites feuilles déjà. Alors, je vais peut-être mettre des feuilles argentées. Voilà. Ah oui, j'avais dit que je devais mettre mon pistolet à colle à chauffer.
Il m'a perturbé ce monsieur. En tout cas, c'est bien. Il m'a pas fait de cochonnerie et tout. Mais des fois, il y en a qui viennent. Alors, donc ça chauffe. Sortir 3, je vais essayer, j'en mettrai 3. Alors normalement les décorations vont toujours par nombre impair. On verra bien. Et on va y mettre des petites roses blanches. Là bien sûr on va choisir les mini, hein. Je vais en prendre 3. Et donc des petites baies blanches également. On va attendre que le pistolet chauffe bien. Vous voyez, c'est une carte qui va... Le pistolet, ça va. Il commence à coller, à chauffer. Donc en plus, vous voyez, les petites feuilles reviennent un peu sur le dessin de la dentelle. Donc ça suit. On va couper les queues. Et on arrête un petit peu. On va couper. Mais ah, ça y est, je commence à me brûler. On va mettre la première, voilà. Je commence déjà à faire des bêtises. Voilà. La deuxième. Bon, on fait attention de ne pas les mettre à l'envers, hein. Il y a toujours un envers et un endroit, hein. Et on essaye de ne pas se brûler. Je regarde si je mets 3 feuilles ou si je n'en mets que... 2. Non, je vais en mettre 3. Voilà. Et maintenant, je vais coller mes petites fleurs. Je vais les garder d'abord.
Voilà mes petites fleurs. Et je vais mettre quelques baies. Alors les baies, j'ai déjà dit, il faut faire attention parce que c'est super fragile. Je vais prendre avec ma pince parce que ça s'abîme, ça s'écrase très très facilement parce que c'est du polystyrène, hein. Donc ça s'écrase très très vite. Ah, j'ai la colle sur les doigts, alors ça va pas. Même avec la pince, il faut pas serrer, et quand on serre pas, ben ça ne tient pas. J'en ai déjà qui sont abîmés un peu, mais bon, ça c'est au transport, hein. Fille, tu fais des bêtises. Voilà ce que ça donne. Il y a des petites filets de colle, on les enlève, hein, bien sûr. Là, ça, on en aura toujours quand on utilise un pistolet à colle. Alors, j'ai envie de... Parce que comme j'ai du double face qui passe là, j'ai envie de d'ajouter quelque chose, mais quoi, que vais-je ajouter? Je suis là, je ne suis pas partie. Alors, je vois si ça marche, et comme j'ai déjà mis ça, peut-être seulement en haut. Ah, c'est bête, j'ai déjà coulé. J'aurais dû le faire avant. Ou alors... Je vais faire ça. Alors, je vais quand même remettre un double face.
Voilà. Je fais dépasser un peu. Ah bah oui, mais bête. Ah, je suis bête. Je fais une bêtise. Ah, bon. Attendez, je fais une bêtise. Ça y est. Hop, voilà. Faites pas des bêtises comme moi. Hein. Bon, le double face, je l'ai mis exprès hein, quand même. Il faudrait qu'il y avait déjà un. Voilà. Et donc là, en bas. Vous arrêtez un petit peu, il n'est pas l'heure de la sortie. Il n'est que 2 heures. Si je les écoutais, il faudrait les sortir toutes les 5 minutes. J'arrête pas d'abîmer mon vernis, je sais pas pourquoi. Voilà, et on met un petit morceau. Si j'arrive, voilà, si j'arrive à lui enlever son petit scotch. En dessous de toi. Voilà. Ni vu ni connu. Ben voilà, c'est bien. Arrêtez vos bêtises. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc on peut encore ajouter des petites choses, hein, mais bon, c'est pas la peine d'en mettre non plus trop. Je cherchais juste une petite perle noire, parce que j'ai ça sous la main. Alors, mes petites perles sont ici, mais est-ce que j'en ai des noires sous la main? Je ne sais pas. J'ai des grises, ou des grises. Là, je vais mettre une grise.
Il m'en faut juste une toute petite. Là, là. Et une toute petite pour mettre dans le cœur de ma petite fleur ici. Voilà. Donc, voilà le dessus de ma carte. Et maintenant, il me reste à la mettre sur mon fond de carte que je vais prendre comme ça. Et donc, que je vais mettre en 3D, je pense. Ouais, je vais mettre en 3D. Comme ça, comme il y a des épaisseurs. Qu'à enlever les protections, voilà. Ici, je suis dans le bon sens, oui, et à prendre bien, à bien centrer et à me mettre bien droite. Des petits fils de colle. Voilà. Et voilà ma petite carte d'anniversaire un peu en 3D, voilà, donc avec des jolies roses blanches, donc que l'on pourra faire tenir comme ceci. Pour bien que ça colle bien partout. Voilà, il ne me reste plus qu'à la signer derrière. Parce que moi, toutes mes cartes, je les signe derrière. Voilà, puisque je vends mes cartes. Et je préfère les signer derrière pour pas qu'il y ait de malentendu. Voilà, que je retrouve pas mes cartes en vente avec le nom d'une autre personne. Voilà. Donc voilà cette jolie petite carte, moi je la trouve pas mal. Voilà, c'est bon, c'est peut-être pas pour une personne de 10 ans, de 15 ans, même de 20 ans,
Mais comme la dernière carte que j'avais fait pour une petite mamie, une maman, je trouve ça assez joli, assez sobre quand même, je pense. Voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé hein, en barre d'infos. Et s'il y a des choses que vous n'avez pas aimées, bah dites-le moi aussi. Hein. Voilà. Désolée pour la coupure qu'il y a eu dans la vidéo. Donc voilà, ça c'était ma petite carte. Maintenant je vais vous montrer celle que j'ai reçue. Alors, je l'ai posée où? Je l'ai posée où? Là. Voilà. Donc j'avais reçu une carte donc de Marie qui m'a fait une jolie carte donc pour mon chouchou et moi pour notre mariage. Donc c'est Marie Bateau. Voilà. Qui nous a fait cette jolie carte. Voilà, je vous voyais à l'envers. Pour notre mariage, voilà, avec des petites fleurs qu'elle a attachées avec des petites attaches, des brades dorées. Voilà. Une petite dentelle en bas. Et en texte, sincère félicitations, meilleurs vœux de bonheur. Voilà, avec des petits mariés. Donc je la trouve toute mignonne, les petites alliances, les petites arabesques, elle est très très jolie. Et donc elle m'a marqué une jolie carte faite de mes mains pour vous souhaiter beaucoup de bonheur de la part de Marie. Bisous, bisous. Ben, écoute Marie, merci beaucoup de cette attention, ça me fait beaucoup plaisir. Alors comme j'avais déjà dit hein, dans les d'autres vidéos, les cartes que je vais recevoir pour mon mariage vont aller spécialement dans un album, l'album des copines pour le mariage, pour que je puisse les garder en souvenir. Voilà. Donc celle-ci en fera partie bien sûr. Donc encore merci beaucoup Marie pour cette carte. Ça me fait très très plaisir. Donc, pour l'instant, je la laisse dans son enveloppe pour pas qu'elle s'abîme et elle va rejoindre les autres cartes que j'ai déjà eues. Donc voilà pour aujourd'hui. Une petite carte de joyeux anniversaire, voilà, en noir et blanc et argent. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux tutos, de nouveaux blabla, de nouveaux plein de choses. Voilà. J'ai toujours pas trouvé mes papiers pour mon album de mariage. J'en ai vu sur Amazon, mais ils me plaisent beaucoup. Mais ils sont chers. Surtout que là, j'ai vu qu'ils venaient de Chine. Et du coup, ben, il me paraît cher. Pour les deux blocs, ça me revenait à 30, plus de 30 euros. Donc, venant de Chine, ça me paraît un peu cher. Donc, je continue à chercher. Mes couleurs d'album, enfin mes blocs pour faire mon album de mariage. Voilà, je vais y arriver à le dire. Et moi, je vous retrouve donc très très vite pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Une chose qui est sûre, c'est que j'ai terminé mes faire-part. Ça y est, tout est mis sous enveloppe. Ça, c'est fait, c'est terminé, c'est classé. Ça commence à partir par la poste demain. Voilà, ça au moins c'est fait. Allez, maintenant je vous laisse. Je vous dis à très bientôt et je vous fais à tous de très gros bisous. Bye bye, à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous bisous.